préparer, parce que moi je m'en souviens plus, mais avant que je sache parler, je voulais faire berger déjà. Et donc j'ai travaillé 6 ans dans la recherche de pharmaceutique, et pendant les 6 ans où je travaillais, je prenais mes vacances pour remplacer le berger. Il m'a proposé de reprendre sa ferme, ça a été le déclic, c'est là que j'ai décidé de me reconvertir. Et en fait, comme ça s'est pas fait chez lui, après je me suis posé la question de ce que je voulais vraiment faire. Et là, c'est là que le fromage est venu, je voulais faire du fromage. Non, c'est parce que c'est ma méditation de la journée. C'est le moment où je pense à rien, où je suis connecté à ce qui m'entoure, donc les animaux, l'environnement qui est tout autour de moi. La plupart du temps, c'est des chouettes moments parce que je suis juste présent à ce moment-là et je suis avec mes animaux et voilà. Alors que le reste du temps, je suis tout le temps en train de réfléchir, en train de penser à quelque chose. En général, là, je suis juste présent au moment présent. Les gens prennent conscience de plus en plus qu'ils sont déconnectés de ce qu'ils mangent et ils sont en recherche de se reconnecter. Je voulais être vraiment acteur de ce mouvement et être un petit peu à la base de ça. Donc. Le fait que moi, je suis pleinement acteur et que je produise et que je maîtrise, c'est pas le bon mot, mais que, comment dire, qu'on soit acteur de cette situation, bah, le lien il se fait automatiquement. Mais il se fait justement principalement qu'avec les gens qui recherchent ça. Nous, en tant que producteurs, et aller sur les marchés ou proposer des moyens de vente en direct, on recrée cette connexion, quoi. On peut avoir des espoirs, on peut en rêver. Et bien sûr, le fait que moi je sois dans un projet comme ça, je porte de l'importance à cette mode,
à ce mode de vie, à ce mode de communication, de communion. Je vis ce que je pense juste pour moi.